Salut à tous, ici le grand, le puissant, le magnifique Mop Mopi. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Fahrenheit. Nous étions arrêtés au moment où nous avions un flashback quand on avait une dizaine d'années où notre frère voulait jouer avec nous. Sauf que nous on voulait pas parce que c'était un peu illégal vu qu'on devait traverser un camp militaire interdit au public. Et nous avons essayé de sauver notre frère et ses amis d'un hangar qui allait exploser, mais il a explosé malheureusement. Mais il me semblait bien qu'il y avait une possibilité pour éviter que nos amis meurent, mais j'ai pas réussi. Voilà. Tombé, je pense, sur un connard. Et donc là, on avait le choix entre Carla Valenti ou Tyler Miles. Et je vais prendre Carla Valenti, parce que j'aime bien Carla. Alors, comment avance l'enquête sur le meurtre du restaurant ? On a quelques pistes, mais pas de suspects pour le moment. Il y a quelques éléments troublants dans cette affaire. On sait qu'il n'y a sans doute pas eu préméditation. Et que ce n'est pas un crime crapuleux. Vous en pensez quoi ? Psychopathe. Certains éléments cadrent avec un psychopathe. Des empreintes et du sang partout, il a été vu par des témoins. C'est tout juste s'il n'a pas laissé son nom et son adresse. Vous savez, c'est comme ces gars qui tuent parce que Dieu leur a dit de le faire. Ça pourrait expliquer la non-préméditation du meurtre. Vous pensez qu'il y a une chance qu'il recommence ? Incertain. Pour le moment, on n'en sait pas assez sur lui pour se prononcer. Il peut recommencer demain matin, mais on peut aussi ne plus jamais entendre parler de lui. Je veux que vous coinciez ce cinglé au plus vite. Vous avez carte blanche. Ouh là là, non. Carte blanche. Fais quoi à la suite ? Fais le tour des hôpitaux pour voir s'ils ont admis un blessé par arme blanche. Vérifiez aussi auprès des hôpitaux psychiatriques s'ils ont des patients capables de faire ce genre de choses. Et qui sont dehors en ce moment. Ok. Autre chose ? Oui, le bouquin trouvé sous la table. Garrett l'a mis sur ton bureau. Vois si tu peux en tirer quelque chose. Ok. Je me mets tout de suite au boulot. Et toi, tu vas faire quoi ? Il y a quelque chose qu'il faut que je vérifie. Allons vérifier alors. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été angoissée par les espaces exigus. Dès que je suis dans un de ces endroits, je panique. J'ai l'impression d'étouffer et il faut que je sorte tout de suite. Il y a un bonus oui. Devant. Pas de doute. C'est bien de la claustrophobie. Eh bien, j'ai décidé de surmonter ma peur, de la combattre. À chaque occasion qui se présente. Je vais rester calme, tout va bien se passer. Mais oui. Je vais respirer profondément et marcher sans m'arrêter jusqu'à ce que je trouve le terminal informatique. Il doit y avoir un interrupteur quelque part. Ah, alors cherchons l'interrupteur. Bah, je crois qu'il est là, il n'y a pas un bouton rouge là-bas ? Voilà. Ah putain, j'ai cru qu'il n'y avait plus de courant, fallait allumer le courant et tout. Appuyez alternativement sur la touche 1 pour faire respirer Carla. Gardez le curseur au milieu de la jauge pour que Carla reste calme. Oui, nous sommes presque arrivés. Non, c'est un cul-de-sac. Hop, on bouge tout. Oh, faut que j'aspire. Je n'ai pas peur. Tout se passe bien.
retourne, il n'y a pas de rat. Voilà, on est arrivé, non? Oui, parfait. Voici le terminal des archives. Je pourrais consulter le dossier ici. Les sauvegardes sont classées année par année. Le dossier Kirsten doit être dans les années 90. Ça ne devrait pas être trop dur à retrouver. Là, là, années 90. Bon, cherchons le dossier Kirsten. Oulala, j'étais un peu trop vite. Voilà, les dossiers commençant par K. Reste à vérifier si c'est la bonne année sur le terminal. Vérifions le terminal. Le terminal ne s'allume pas. Je suppose qu'il y a un disjoncteur quelque part. Non! Et le disjoncteur est à gauche, forcément. C'est bloqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, bah faut faire l'autre. Voilà. Allumons ce disjoncteur. Parfait. Maintenant, on va écouter le dossier. Putain! Je panique. J'étouffe. Il faut que je sorte d'ici. Je l'ai pas vu. Je vais y retourner. Je suis capable de contrôler ma peur. Du coup, ça a baissé mon moral. Putain, moi je regardais la cinématique. Ah, je suis vraiment dégoûté. En plus, c'était quasiment fini, j'avais tout fait. Voilà, là il n'y a plus besoin de gérer son stress, sa respiration. Rien sur Kirsten. Ça ne doit pas être la bonne cartouche. Putain, c'est pas la bonne. Là, là, je sais que c'est bon, là. Voilà, les dossiers commençant par K. Reste à vérifier si c'est la bonne année sur le terminal. Allez, là, je sens que c'est le bon, là. Rien sur Kirsten. Putain. Ça ne doit pas être la bonne cartouche. Mais non, c'est pas la bonne. On va la trouver, on va la trouver. Je dis la troisième fois, c'est la bonne. Ah putain, mais il y a d'autres années 90 derrière. Ça va pas le faire si je fais ça. Non, ça va. Bah ouais, ouais, faut faire de l'autre côté. Là, il n'y a rien ici. C'est qu'il s'est passé plein de choses dans les années 90. Tellement de dossiers à fouiller. Non. Non. Faut que je reste calme. Je dois dominer ma peur. Domine ta peur. Vas-y, domine ta peur. Le courant est revenu.
non, j'ai oublié de faire l'autre. On peut le faire. On peut le faire. Quoi? Non, je l'ai pas vu. C'est plus fort que moi. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais allez, c'est rien du tout. En plus, là, elle a même pas peur ici. Alors que c'est la même salle. Allez, dernière ligne droite. Non. Ah, il faut bouger ça avant. En fait, c'est tellement simple que j'en oublie de respirer. Voilà, et le dossier Kirsten, il doit être là-dedans. Genre, c'est lui. Voilà les dossiers commençant par K. Reste à vérifier si c'est la bonne année sur le terminal. Je suis sûr que c'est lui. Je crois que j'ai trouvé. Oui! Le dossier est vide. Aucun rapport, aucun élément. Rien. La seule information, c'est le nom de l'inspecteur en charge de l'enquête. Robert Mitchell. Robert Mitchell, ok. Donc il n'y a aucun rapport, aucune pièce, quoi. Super! Carla m'avait demandé de voir ce que je pouvais découvrir sur le bouquin trouvé au restaurant. Peut-être qu'il pourrait nous apprendre quelque chose sur le meurtrier. Je me suis rencardé au bureau et j'ai atterri dans la boutique d'un spécialiste des livres anciens, un nommé Takeo. On va aller voir le monsieur direct. Monsieur, il est pas là? Ah si, il est là, parfait. Salut. Insister, tousser, tousser. Insister? Excusez-moi. Oh, je suis confus de t'avoir fait attendre, vénérable client. Ta présence honore ma misérable échoppe. Mon nom est Takeo. Dis-moi ce que je peux faire pour t'être agréable. C'est dingue. Ce type ressemble comme deux gouttes d'eau au vieux chinois dans Gremlins. S'il me propose une bestiole dans une boîte en carton, je me casse en vitesse. Expertise, livre enquête, expertise. En fouillant dans ma cave, je suis tombé sur ce vieux bouquin et je me demandais s'il avait de la valeur. Ah, malheureusement, je ne suis qu'un misérable puits d'ignorance. Mes maigres connaissances ne concernent que les livres que je vends. Insister, tant pis, insister. Vous pourriez peut-être jeter un œil. Vous avez sûrement déjà vu des bouquins comme celui-là. Ah, mille fois, hélas. Je suis confondu de honte, mais il n'y a rien que je puisse faire pour toi. C'est un connard. Bon, merci quand même. J'aurais essayé. Je vais te casser la gueule, moi. Dis-moi des trucs sur le livre. Tu aurais dû dire que j'étais de la police. Je suis obligé de fouiller, du coup. Je fais quoi en fait? Je vais fouiller vite fait, hein. Là, il y a des trucs ici. Ah, une loupe. Ah oui? Ok. Ah non, c'est juste... Ah. J'ai fait tomber un papier.
Un bout de papier déchiré. On dirait un listing informatique avec des chiffres. Il a dû tomber du livre. Il devait servir de marque-page. Je l'examinerai au bureau. J'ai rien découvert avec la loupe, ça m'intriguait. Cherchons. Donc là, blablabla, William Shakespeare, bon là, y'a rien, ok. Là, je suppose qu'il n'y a rien non plus. Rien du tout. La tempête. On va faire toutes les pages du livre comme ça. Ah, il était court le livre. Je peux plus tourner les pages. Mais ok, il n'y a rien du tout. C'était juste pour trouver le bout de papier qui est tombé du livre. S'ils veulent. Ah, il y a peut-être quelque chose que je peux faire pour toi. C'est peut-être pas un connard. Ah. Un client m'a commandé un ouvrage très rare. Je le cherche depuis ce matin, mais impossible de mettre la main dessus. Si tu parviens à trouver le livre, je te dirai ce que tu veux savoir. Si, c'est un connard. Et... à quoi il ressemble, votre bouquin? Ah, c'est facile. Il est de la même collection que celui-là. Ok, ça a l'air dans mes cordes. Rapporte le diamant sacré au vieux sage de la montagne et il te donnera le talisman magique. N'importe quoi. On se croirait dans un jeu vidéo. C'est peut-être parce qu'on est dans un jeu vidéo. Ouh là là. Il y a du niveau, hein. Alors, même collection que celui-là. Il y a un moyen de l'identifier, du coup. Genre ici. Ouais, non. Il n'y a pas moyen de l'identifier. Bon, tant pis, on va chercher au pif. Alors, de mémoire, parce que je vous rappelle que j'ai déjà fait ce jeu. Il n'est pas en bas. Mais là, il n'y a rien qui s'affiche, bizarre. On va aller plus en haut, du coup. Là, la baille, voilà. Il veut pas. Il est peut-être en bas alors. J'ai peut-être la mémoire courte. Ce qui serait pas étonnant. Il y a vraiment rien ici. Il veut pas. Ok, bon, faut peut-être débloquer quelque chose en bas. Si le livre... des milliers de livres anciens. Où est-il? Ça sent la poussière et le vieux papier. Je me demande où sont rangés les comics. Il n'y a pas de comics. C'est quoi déjà l'expression avec la meule de foin? Si le livre que vous cherchez n'est pas ici, c'est qu'il n'existe pas. Des milliers de livres anciens. J'ai vu un truc qui m'intéressait là-bas. Comment on l'a? Alors je pense qu'il faut aller là-haut. Alors là j'abandonne un petit peu le livre. J'ai vu un truc. Faut que je le récupère. Là, je veux. Oui, plus 20.
y a rien de... La caméra s'était mise là-dessus tout à l'heure, mais visiblement on s'en fout. J'ai fait toutes les étagères, là il n'y a rien a priori. J'ai dû reparler ? Non. Si le livre que vous cherchez n'est pas ici, c'est qu'il n'existe pas. Non, il faut pas le chercher comme ça, parce que... Il doit y avoir un truc à faire avec la loupe, là. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire ici. Là, il le met là. Ah non, là, c'est mon livre. Je m'en fous de mon livre. Ah, il y a un cahier à côté. Non, putain, je sais pas quoi faire en vrai. Des milliers de livres anciens. Il y a des lumières de différentes couleurs. Est-ce qu'il y a une signification ? Ah bah voilà. Ah ouais putain, je crois qu'il faut le rapporter à chaque fois. Attends. Tu repose-le. Et du coup on va aller là-haut parce que je suis sûr qu'il est pas en bas. Vas-y, allez, il est là, je suis sûr qu'il est là. Tenez, voilà votre livre. Je crois que peut-être tu as un problème avec tes yeux. Ce livre n'est pas celui que je cherche. Ok, ok. Je vais continuer à chercher. Bon, c'était pas ça. C'est celui-là. Enfin, je suis sûr que c'est celui-là. Au lieu de faire baisser mon moral comme ça, on va aller l'analyser tout simplement. Non, je peux pas. Je peux pas. Bah écoute, on va lui donner les livres. Hein. Tu vas bien dire oui un jour. Tenez, voilà votre livre. Je crois que peut-être tu as un problème avec tes yeux. Ce livre n'est pas celui que je cherche. Ok, ok. Je vais continuer à chercher. Il y a différentes couleurs, on va essayer de chercher dans les... différentes couleurs. Tenez, voilà votre livre. Je crois que peut-être tu as un problème avec tes yeux. Ce livre n'est pas celui que je cherche. Ok, ok. Je vais continuer à chercher. C'est long. Et c'est chiant. Je me demande où sont rangés les comics. C'est quoi déjà l'expression avec la meule de foin ? Si le livre que vous cherchez n'est pas ici, c'est qu'il n'existe pas. Non, je voulais pas faire ça. Des milliers de livres anciens. Ça sent la poussière et le vieux papier. Je me demande où sont rangés les comics. Attends, parce que là, il a dit de livres anciens, du coup. «
C'est quoi déjà l'expression avec la meule de foin? Non, c'était pas ça. Mais attendez, si je prends le livre et que je le range au même endroit, je vais peut-être pouvoir retrouver là où c'était. Je vais faire ça. Il y a une technique pour le trouver plus facilement. Tenez, voilà votre livre. Je crois que peut-être tu as un problème avec tes yeux. Ce livre n'est pas celui que je cherche. Ok, ok. Je vais continuer à chercher. Je vais finir par lui apporter tous les livres de sa bibliothèque, hein. Non, reviens là. Mais non, je m'en fous de lui. Non mais d'accord, moi je veux l'autre livre. Voilà, celui-là tu le prends. Et on va aller le ranger. Il y a bien un endroit où il se range ce livre. Si j'arrive à le ranger à cet endroit-là, ça veut dire que c'est l'endroit où il y a les vieux livres qu'il cherche justement. Non, monte là-haut. Ouais, je sais qu'on peut le faire. On va y arriver. C'est pas au deuxième étage ni au premier, en espérant que ce soit au troisième. Je savais que c'était à un étage. Si c'est le troisième, c'est bon. Allez, dis-moi que ça marche. Putain. Il reste un couloir et c'est fini quoi. Allez, 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 allez. Non. Je me suis trompé sur ma théorie de merde. Ouais, on va essayer de l'examiner du coup. Il y a peut-être un numéro qu'on n'a pas vu. Allez, on espère. On espère. Il y a plein de trucs, on n'utilise pas, on devrait pouvoir l'utiliser. Grutolx et M-E... C'est quoi? E-M-E-S? J'ai trop de mal à voir en vrai. Bon, on va chercher deux Grutolx. Alors, est-ce qu'on a un nom comme ça? Oui! Non, c'est Grutola, du coup. Je me suis trompé. 1796. 1796, ça correspond à quoi? Ouais, ils sont bien gentils.
1796. On va en prendre un au pif. Genre celui-là. Ça avance petit à petit, mais du coup je ne sais absolument pas. Je ne sais absolument pas. Voilà, je peux pas les analyser, les livres que je prends. Alors comment je fais pour savoir le numéro? On va lui donner ça, mais il va dire non encore. Tenez, voilà votre livre. Je crois que peut-être tu as un problème avec tes yeux. Ce livre n'est pas celui que je cherche. Ok, ok. Je vais continuer à chercher. Ouais, je vais continuer à chercher. Allez, on y croit. Oui, je donne ton livre. Tenez, c'est bien. Voilà votre livre. Super. Oui. Tu l'as trouvé. Merci, mec. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir sur ton livre? Livre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce livre? Il avait un accent bizarre. C'est une belle édition, couverture cuir. Un des exemplaires des œuvres complètes de Shakespeare, édité par Lamarck et Everett, daté 1884. J'ai perdu son accent. Est-ce que c'est moi ou vous avez perdu votre accent? Oh, ça, c'est pour les clients. Tu sais, ils adorent les vieux sages chinois et toutes ces conneries. Je suis né à Brooklyn, mon pote. J'ai jamais voyagé plus loin que Long Island. En fait, je suis plus américain que toi, mec. Merci pour votre aide. Pas de problème. Reviens quand tu veux. Ah bah non, j'aurais dû parler d'autre chose. Allez, une petite carte. Voilà, un petit bonus de plus 20. Et on se casse d'ici. Voilà. Barre-toi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pour l'épisode numéro 6 de Fahrenheit. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous serez là pour l'épisode 7 qui va sortir sûrement dans les prochains jours. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous et je vous dis à une prochaine. Bye !